Alors, yo les gens, c'est Jafix et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Rabza60. Salut! Et on va faire une vidéo sur Diaries. Diaries, la nouvelle map du pack Révolution. Ce qui est bien, c'est qu'il est toujours pas sorti sur PlayStation 3, donc... Bon bah pour ceux qui sont sur PlayStation 3, c'est dans quelques jours, hein. C'est pas la peine de rager. On va vous faire encore plus bader. Ouais, exactement. Donc Black Ops 2 n'est pas à moi, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse la vidéo dessus. Moi je reste sur MW2. Ouais. Et ma console est cassée jusqu'en avril, désolé. Donc vous aurez pas de vidéo. J'essaierai de vous faire des vidéos de n'importe quoi. Donc il y a eu beaucoup de gameplay sur Diaries. Donc c'est un gameplay un peu spécial parce qu'on va vous donner toutes les astuces, les nouveautés, les théories sur les prochaines maps. On va pas commenter de ouf, mais on va beaucoup parler. Et la vidéo risque de durer longtemps. Hein. Ouais, on fait comment si on doit aller manger? Ah ah. Bon, au pire, on dit qu'on ira après. Hein. Donc, si ça coupe en plein milieu, ne vous inquiétez pas, il y aura une partie 2. Et voilà. Donc, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est le pack Révolution, hein, le pack à 15€. Et le pack gratuit pour ceux qui ont acheté le Season Pass, qui est de, je rappelle, à 4000 points Xbox ou 50€. Et ouais, c'est cher. C'est que je me suis acheté en plus. Bon, ça commence alors. Ah. Par contre, et après on va mettre la vidéo sur. Et voilà la nouvelle map d'Airise, c'est parti. T'as une clé USB? Non. Tu sais que ça va être long à mettre. Hein. Donc voici la nouvelle map. Voilà. Bon, j'ai un écran scindé, donc désolé. C'est pas grave. On aurait peut-être... C'est pas l'idéal, mais c'est quand même. On aurait peut-être dû. Donc moi je suis en bas, Jafix en bas, on s'en fout, c'est la chaîne à Jafix. Hein. C'est Jafix qui vous intéresse. Et le connaisseur, le PGM, il est en haut. Et voilà comme un niveau de. Moi je suis bien en haut parce qu'il y a personne. Bon, ok, mais. Quel PD lui va en haut quand même. Alors. J'ai failli mourir. Alors j'ai pas encore Minecraft les gars, mais. De toute façon, je l'aurai dès que ma console elle est réparée. Et je vous ferai la blinde de vidéos dessus. Et je vais vous faire des vidéos multijoueurs aussi sur Black Ops 2. Pour le fun, pour que vous voyez mon niveau médiocre. Ouais. Donc je précise, j'ai fait le secret de Diaries, la façon Richtofen, c'est pour ça que la tour est allumée et est en bleu. Qu'on fasse la façon Maxis ou la façon Richtofen, ça change rien, la tour sera bleue et pour ceux qui l'auront fait, ils auront droit aux 6 atouts. Et malheureusement, pas comme dans les anciens Call of, les 6 atouts disparaîtront une fois morts. Ça c'est vraiment cool. C'est nul! C'est nul, Abdel! Allez, moi je saute dans l'ascenseur. Bah alors on va quand même leur montrer où ils sont les pièces peut-être, non? Ouais, donc pour le trampoline, objet très utile pour pouvoir se balancer de la tour du dragon jusque là, il y a 4 pièces. Il y a le drapeau, la cage, qui le souffleur, donc moi je et prendre... le moteur. Donc moi je vais prendre la pièce. Ah merde, ça c'est pour des. Il y avait une pièce tout à l'heure ici, tu l'as pris? Suis-moi, Jafix. Elle est là. Alors, une pièce ici, vous voyez, voilà. Vous avez... Donc, en fait, je suis en train de déplacer les deux pièces en même temps. Bon, vu qu'on est des PGM du zombie, ça va durer longtemps. Hein. Pas avec toi, Jafix. Oui. Bon, c'est pas une vidéo où on va essayer de survivre, hein. C'est vraiment pour vous montrer les pièces, pour ceux qui connaissent pas encore bien la map, vous montrer un peu les, pas les secrets, mais les conneries un peu de la map. Pour ceux qui sont sur PS3, ça vous sera très utile. Descends, Jafix. Ouais. Ah oui, c'est par là.
Moi, vous voyez, moi-même, je connais pas bien la map, donc ne vous foutez pas de ma gueule. C'est pour ça que j'ai voulu le faire avec Rabza, parce que... Descends. Très connaisseur de... Par où t'étais descendu. Doucement. Très bon, alors si je tombe, ne vous foutez pas de ma gueule, non, c'est bon. Alors, on finit de construire la pièce, comme vous voyez. Alors, lui, par contre, c'est vraiment une merde. Suis-moi. Bon, désolé, les gens, on est tombé avec des merdes, pas. Attends, c'est comment son nom? MGM... C'est quoi, suis-moi. Les noms? Suis-moi, rapide. MGA38 et l'autre, là, je sais pas ton nom. Non, pas par là. Vous aurez l'honneur de faire partie de ma vidéo. Dans pas deux secondes. C'est pas une grande chaîne. Bon, alors, suivez-moi. Les gars, je suis à sec. Saute. Ouais. Non, oh purée, quelle tire. Putain. Fallait sauter. Vous voyez, je suis mort comme une merde. Ah. Ça risque d'arriver souvent. Hein. Ouais, parce que je suis pas un PGM du... Comparé à Ramsa, moi je ne suis pas un PGM du zombie, vous voyez. Il y a deux secondes, tu disais pas le contraire. Ouais, mais Dairies, vous voyez, je la gère pas encore. Regardez, hop là, vous avez vu le PGM ou pas? Voilà, OP, et on achète la carte. Donc ça, c'était un petit passage secret, hein. On vous a montré, on aurait peut-être dû leur montrer comment descendre, hein, parce que... Non, c'est ça. Tout ce qu'il y a à savoir quand on descend, c'est de longer les côtés, et sur les deux derniers sauts, il faut utiliser les... Alors, si je saute dans le vide, vous vous abonnez tous à ma chaîne. Non, je rigole. Et abonnez-vous, s'il vous plaît, par pitié. Ça commence à monter un petit peu lentement, mais... J'espère qu'après cette vidéo, on aura atteint les 100 nombres de vues, en total. De toute façon, je vous ferai la blinde de vidéos ce soir, parce que... C'est, t'as le droit de me laisser les zombies, hein, j'ai pas beaucoup de points, moi. Bah, moi non plus, j'ai que 960, wesh. Putain, t'as plus de points que moi, alors que toi, t'as une arme. Est-ce que moi, j'ai une arme? Je vous ferai, genre, je pense, cette vidéo plus une autre en multijoueur, je sais pas, je verrai. Oui, le test des 4 nouvelles maps et aussi le test du nouveau mode de jeu zombie, Infection, qui, je le rappelle, permet d'incarner un zombie. Bon, là, donc, ce soir, on vous fera, vu que ce jeu dort chez mon pote Rabza, bon, on va en profiter, on va vous faire une vidéo Infection, on va vous faire découvrir les 4 maps, donc voilà, la blinde de vidéo, vous la voulez, elle arrive. Et vu que j'ai pas de console chez moi, ben je vous ferai des vidéos de, je sais pas, n'importe quoi. Des podcasts peut-être. Donc comme vous le voyez au début, j'ai pas Mastodon. Je me suis quand même pris deux coups, je suis pas mort. Alors, Barabza, vas-y si tu veux leur expliquer. Ah oui, si vous êtes un grand joueur du zombie de Call of Duty Black Ops 2, vous aurez remarqué le glitch. Enfin, c'est pas un glitch, c'était par les développeurs. Les atouts permanents. Je m'explique. Ces atouts permanents s'obtiennent par différentes actions et permettent de... Bah, comment expliquer ça? De disposer d'un atout, mais en permanence. Et... Donc, on ne les perd pas en mourant, on les perd en faisant quelques actions contradictoires avec la façon de les obtenir. Et, celui le plus connu s'appelle... comment s'appelle-t-il? L'animation rapide permanente. Je rappelle qu'on réanime 16 personnes, on réanime les personnes deux fois plus vite. Si en plus on achète la boisson de réanimation rapide, on réanime en presque une seconde. La réanimation dure 5 secondes, si on a réanimation permanente ou réanimation rapide séparée, on réanime en 2 secondes et demie. Et si on a les deux, on réanime en une seconde de 25. Donc là je te coupe vite fait en fait. Technique, quand vous avez les singes, allez plutôt dans cette salle parce que... Ah oui, les singes aussi. Je pense que c'est la plus idéale pour se faire ces... C'est une astuce pour les singes. Si vous jouez en groupe, essayez de tuer tous les singes au coup de couteau. Si vous y arrivez, si personne n'utilise d'armes pendant la manche des singes, vous gagnerez la boisson... Une boisson bonus. Tiens, bah même moi je savais pas, tu viens de m'apprendre un truc. C'est mort là, je pense, je suppose. C'est mort, on a tous tiré, c'est clair. Vous voyez, je meurs toujours à cause de ces... Oh là là, vous allez dire Jafix, la honte, il est nul. Alors, le glitch, bon, vas-y, tu peux continuer. C'est pas un glitch, c'est très simple. Vous allez en solo, en mode transit, surtout pas en mode survie, vous allez vraiment en mode transit. Vous allez en mode solo, vous tuez deux zombies dans la salle.
Puis vous prenez... Merde. Oh putain, je suis mort. Bon. Donc, je récapitule. Vous tuez les deux zombies dans la salle après être allé en mode solo, en mode transit. Puis vous prenez la boisson réanimation rapide qui vous permet de vous auto-réanimer en cas de mort. Vous vous laissez un zombie vous tuer. Quand vous êtes à terre, vous ne bougez pas. Puis vous laissez ce même zombie vous retuer. Alors, comme vous voyez, moi je suis... ouais, après vous mourrez en 4 coups. Mais si vous prenez Mastodonte, bah, vous mourrez en 7 coups, donc c'est très pratique. Donc comme vous le voyez, moi je suis pas du tout parti où ils sont partis. Moi je sais pas, j'ai atterri en haut. Donc j'ai ouvert une porte. Non, non, pas cette porte, ouvre pas cette porte. Là j'ai ouvert celle-là. J'ai bien fait. Non. Trop tard. J'aurais dû économiser tes points, t'es à côté de l'électricité. Bon, c'est pas grave, on va se faire des points. Hein. Recharger, recharge. Les autres on s'en fout, on va recharger. T'as rechargé ? Oui. Alors, je prends les... Les atouts permanents, il y en a plusieurs. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, réanimation rapide. Il y a le mastodonte, comme je l'ai expliqué, il faut aller en mode solo, tuer deux zombies de la salle, prendre la boisson réanimation rapide, se laisser tuer par un zombie, ne pas bouger quand on est à terre, et se laisser tuer par ce même zombie. Donc il y a d'autres atouts, hein. Il y a les barrières en métal, assez connues, mais peu de gens savent comment l'obtenir. C'est très simple, il faut réparer beaucoup de barrières. Pendant plusieurs manches, vous ne faites que réparer des barrières. À la manche 13 ou 14, vous l'obtiendrez. Et ces barrières en métal, on les perd. Le seul moyen de les perdre, c'est de ne pas réparer une barrière pendant une manche. On aurait peut-être dû aller en solo, non? En jeu solo, non? Non. Si jamais si ça quitte comme ça, on peut faire une partie 2. Non. Non. Donc, ces trois atouts que je vous ai cités sont les trois que je connais. Trois seuls. Ah si, il y en a un quatrième. Bon, il sert pas tellement à grand chose celui-là, mais disons qu'il est assez utile. C'est que si vous tuez... si vous faites un groupe de zombies, ça sera plus facile. Mais disons que si vous arrivez à détruire... à faire un headshot à deux zombies avec une seule balle... vous obtiendrez la boisson, l'atout permanent d'Headshot Daikiri. C'est juste quand vous visez, ça vise automatiquement la tête d'un zombie. Ça c'est mortel. Comme Chuck Norris. C'était la dose d'humour. Donc vous avez vu que j'ai ramassé des pièces un peu partout et que je construisais quelque chose. Je construis en ce moment même la nouvelle arme du jeu. Regardez de la map. Achetez aussi le stickificateur. Vous voyez, Rabza, c'est un très bon commentateur, hein, il fait mieux que moi. Quoi. En même temps, c'est lui le PGM zombie, hein, vous savez, déjà fait que c'est le PGM des kills. Oh là là, l'enculé. Il l'a prise. Bon, bah, on s'est fait voler l'arme. Malheureusement, on s'est fait voler l'arme, mais c'est pas grave. L'arme, une seule personne peut la prendre. À partir du moment où une personne l'a perdue, soit en achetant une arme, ou soit en mourant, l'arme se retrouve dans la boîte mystère. Ah bah ça va, alors on aura une chance de l'avoir vu que c'est le noob qui l'a pris. Hommage à toi si tu regardes la vidéo sur YouTube, connard. Bon, tu l'as bien piqué à quelqu'un tout à l'heure. Ouais, mais... Donc ceci est le nounours, hein. il y en a trois dans la map. On va les montrer, ils sont où les nounours? Donc il y en a un à l'électricité, l'électricité s'active là. Le nounours est juste là. Donc ça, faut regarder l'écran d'en haut parce que moi je fais n'importe quoi, moi je cherche des zombies, c'est tout. Moi je dis pas, moi c'est moi. C'est pas moi l'expert. Donc aussi la nouveauté dans cette map zombie sont les ascenseurs. Donc les ascenseurs, après avoir activé l'électricité, se déplacent de haut en bas. Il suffit juste de les attendre. My God. Et voilà. Mais si vous arrivez sur le toit, ne restez surtout pas dans les ascenseurs, sinon vous risquez de vous faire tuer par celle-ci. Ouais, comme moi tout à l'heure, alors que j'avais tout amélioré. Ouais, vous faites écraser sur le toit de l'ascenseur. Je peux vous dire que j'avais bien la rage, les amis. Surtout avec des armes améliorées. Alors j'avais la K74, j'ai amélioré. Donc dans les ascenseurs aussi, il y a les boissons et le pack-a-punch. Ça sert à rien de vous expliquer dans quel ordre sont-ils, puisqu'ils changent tout le temps, selon les parties. Par exemple, ici, ça aurait pu être le pack-a-punch, comme ça aurait pu être le mastodonte, la boisson de coup double ou n'importe quoi d'autre. Alors, je sais pas si vous voyez, mais Jafix est perdu. Je suis toujours le seul. Il me reste que 30 balles, les mecs, donc on va essayer de
Je monte sur le toit. On va essayer. Bon, bah, regardez Rabza, parce que cool, une arme. Bon, mais je vais m'acheter ça, en cause de survie. Et je vais quand même vous montrer des bugs dans la map. Des bugs pas très utiles, assez difficiles à faire, mais qui... Donc, si vous voulez voir un PGM du zombie jouer, bah, vous regardez Jeffix en bas, et si vous voulez apprendre, vous regardez en haut. Si vous voulez comprendre comment se débrouiller dans une map zombie qu'on connaît pas, vous regardez Jeffix. Qui, pour sa première partie, se débrouille pas si mal, en fait. Sans compter le fait qu'il s'est perdu tout seul en bas. Enfin, c'est ma deuxième partie, mais légale. En fait, ma première partie, j'ai fait un peu n'importe quoi. On va dire que ma première partie a duré 3-4 manches. C'était juste pour découvrir un petit peu. Comme vous le voyez, j'ai dû faire deux manches pour... je me suis juste baladé, franchement, après je me suis suicidé, donc on va dire que légalement c'est ma première partie. Et je suis perdu comme un kiki en bas. Ah là là, c'est là que je regrette les bons kinos. Donc, je peux vous dire que celle-là, comparée à Transit, ça fait un peu du bien, parce que... Transit, j'en pouvais plus de prendre le bus à chaque fois. Ça m'a dégoûté des transports en commun. Donc vous voyez cette map. C'était la deuxième dose d'humour. Dispersée dans 4 ascenseurs de la map. Bon, vous voyez. Donc cette marque va mourir. Sert pour le secret. Il y en a 4 différentes dans la map et il faut que les 4 se mettent simultanément dessus. Ça fait partie d'une des étapes du secret et c'est pas la première à faire. Donc du coup, si vous voulez faire le secret de Dayrise. Donc là, comme vous le voyez, si vous regardez en bas. Je viens de me prendre 2 coups et j'ai pas mastodonte et je suis pas mort, donc vous voyez que ça marche. Je viens de chercher. Ah oui, il va venir me chercher, mon sauveur. Ah bah j'ai pas besoin de toller les munitions. Non mais attendez, c'est... Alors franchement, vous pouvez m'insulter dans les commentaires parce que vous pouvez dire « Oh sale noob, il s'est perdu, je m'en fous. » Non mais regardez, je tourne Arrête de bouger. Je tourne en rond depuis tout à l'heure. Tiens, t'es beau toi. C'est bien de te trouver. Vous voyez, c'est tellement... Le mec, il la connaît par cœur, la map. Voilà, c'est bon, je t'ai trouvé. Oui, mon sauveur. Suis-moi. Vous voyez, alors, ils sont pas très communs, nos potes. Hein. Ils vont nous attaquer. Je pense que si on n'aurait pas fait le glitch, on serait... Enfin, le bug du développeur, je pense qu'on serait déjà mort. Hein. Enfin, moi, personnellement, oui. Oh, je suis quand même mort. 0 fois. Ah si, 2 fois, je suis mort. Non, pas par là. Mais... Je suis là. Aussi, c'est chiant de trouver les ascenseurs. Pas par là. Donc, comme vous le voyez, en fait, c'est une technique aussi pour bien jouer aux zombies. Hein. Je dis ça pour les noobs, mais viser la tête. Ouais, va dans la par la grande porte. Où ça? Regarde autour de toi, où est-ce que tu vois une grande porte? Ici. Une grande part. Je suis mort. Donc c'est de ma faute s'il est mort. T'as envie de me taper, non? Quoi? T'es malade? Alors c'était le fail. Bon, faut bien un fail dans une vidéo. Hein. C'était le fail de la vidéo, quoi. Bon, vous expliquez quand même pas mal de trucs. J'espère que la vidéo va pas s'arrêter tout de suite. Je précise, hein, normalement je joue mieux que ça. Mais bon, vous remercierez le... mon allié, hein, qui, à cause de lui... m'a tué. Enfin. Vous verrez que je suis plus bon en élimination confirmée. Hein, vous verrez, parce que... enfin, je vous ferai des vidéos, vous verrez que je suis meilleur. En Black Ops 2. Ah, ça fait chier, on va mourir. Ah bah alors, comme vous le voyez, le monsieur en ce moment est en train d'utiliser l'arme qui nous a piqué. Exactement. Fils de pute. J'espère qu'il va se reconnaître. Si tu regardes ma vidéo et que tu es français, je t'emmerde. Donc comme vous voyez, ça déverse un liquide rose. Ça me plaît bien. Liquide rose. C'est rose. Non, cette arme, même si son style laisse un petit peu à désirer, est vraiment très utile. Tant qu'on est en cette... Oh bah voilà. Il émet une sorte de liquide rose qui... désintègre instantanément les zombies et qui émet une sorte de substance sur le sol. Cette substance vous permet de glisser et fait tomber les zombies. Quand je vous assure, c'est vraiment beau à voir. Quand je vous dis que le rose c'est dangereux,
Regardez, regardez, regardez comment les zombies ne savent pas. Tu n'arrives même pas à tenir debout. On devrait mettre une pancarte, attention, sol glissant. Quatrième dose d'humour. Je pense que vu le nombre de zombies restant dans cette manche, il a de quoi réanimer son coéquipier. Qu'est-ce que tu attends? Alors, vous voyez, ça c'est le bel exemple d'un... Ok, c'est noté, il déteste son coéquipier. Ça c'est le bon exemple d'un mec qui sait pas jouer. Pardon, j'ai parlé trop vite. Non, t'avais raison. Alors là, comme vous voyez, bah, la tour est allumée. Hein. Bref. Bon, alors on va faire Chuck Norris parce qu'on n'a pas d'armes et c'est le début de la manche. Voilà. Youpi. Bon, bah, on va prendre ce dôme. Hein. Oui, troisième arme. Moi je vais monter là-haut les amis. J'ai envie de sauter là mais j'ai pas envie. Oh bah tiens. On va prendre ça. Hein. Bordel, bordel, ça lag. Oh alors vous voyez, Jeffix fait n'importe quoi. Bordel. Enterprise sort de cette Xbox, bordel. Alors je sais pas ce qu'ils ont contre moi ces fils de pute, mais ils sont tous venus sur moi. C'est pas vrai. Julie. Je crois que Mibzop ne tient pas tellement à la vie. Alors comme... Oh, je suis vivant. Tu peux me remercier. Mais lâche-moi, fils de... Mais lâchez-moi. Voilà. Mais tu vas me lâcher, oui, à sautiller partout. Alors, on a vu le... Mais toi, tu me fais bien chier depuis le début, monsieur le vert. Écologiste. Lol. C'était la cinquième dose d'humour. Ah oui, toujours mettre... Donc en fait, si vous avez bien remarqué, j'attends cet ascenseur. Enfin, c'est le vieux. Cet ascenseur la vie. A sûrement mastodonte. Je vais prendre mastodonte. Mais pas besoin de décrire ton gameplay, on voit ce que tu fais, hein. Alors comme vous le voyez, je tourne à gauche. Et là, je saute, au cas où si vous ne l'auriez pas vu. Hein. Alors, comme vous le voyez, il y a un zombie là. Alors, je l'ai vu, je lui tire dessus d'ailleurs. Oh, je déconne. Oh, mastodonte. C'est bon, on est sauvés les gars. Maintenant on est invincible. Enfin... Au pire, si vous en avez marre de tous ces zombies, bah suicidez-vous. Lol. Oh, regardez-moi ça, regardez, je suis invincible. Oh, je vais mourir. Oh, une pièce. Alors, comme vous le voyez... Ça, c'est la pièce pour la table de navigation. La même que dans Transit. Le fait est que comme il y a plusieurs tables de navigation dans plusieurs salles, ça laisse à supposer que la table de navigation est un secret qui se déroule sur plusieurs maps. Je suis... Ah non, voilà. Jeffix, le PGM en action, comme vous le voyez. Hop là, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis Monsieur Invincible. Ah, mais si je monte dans l'ascenseur, là, je meurs, non? Je sais pas. Je vais pas faire la même connerie que tout à l'heure. Je sais pas, on est parti par où là en fait, on est bloqué depuis tout à l'heure. On est où en fait là? Bon, comme vous le voyez, on est dans la merde, c'est pas grave. J'ai eu chaud. Je m'étais fait. Je me suis fait prendre. Oh. Alors, je transpire des mains, c'est pas grave. Voilà. La vidéo est déjà 24 minutes, mes amis. Donc, si ça coupe, bah, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai dans la vidéo suivante. Ne vous dites pas, oh my god, ça a coupé.
dites-vous juste. Mais quel connard, c'est des fois. Et il me fait chier à mourir, hein. Mais c'est par où la console, là? Désolé, Jonathan, il n'y a pas marqué l'option Nounou sur mon. Non, mais c'est par où qu'on sort là? C'est abusé. Regarde derrière toi. Tu vois le trou se dit lentement. Voilà, c'est par là. Oui, se dit lentement. Ah oui, c'est là. Je suis enfin sorti de ce trou à part. Oh, un pack à punch. My god. Alors, comme vous le voyez, lui il est super nul, il arrête pas de mourir. Super. Quoi? Non, non, c'est l'autre qui est mort, c'est celui qui nous avait volé l'arme. Du coup, l'arme. C'est sûrement apparu. Comme vous le voyez, je viens d'améliorer ma MP5. Jaffix est un PGM. Oui. Tiens, je vais me prendre ça, moi. Oh, le bâtard. Il est parti. Ceci. Ah oui, je vous présente la nouvelle boisson aussi. La boisson s'appelle Qui est qui. C'est vraiment très simple, le principe. Si vous la prenez, au moment où vous allez mourir, votre perso, le fantôme de votre perso va apparaître à un endroit proche de l'endroit où vous êtes mort. Et il vous permettra de vous auto-réanimer. Alors comme vous voyez, je suis en train de... Je suis en train un peu de douiller de sa faute. Chuck Norris, les zombies ne me font pas peur. Donc, emplacement du deuxième nounours. En fait, c'est le premier, mais bon. Moi, j'ai le deuxième. Alors, comme vous le voyez, Jaffix, il se fait des points, mais... hallucinant. Comme vous voyez, on vient de mettre la musique. Donc, monte un peu le son, au pire. On va se taire pendant la musique. Non. Ouais, mais je sais pas où est la télécommande. Bon, quatrième faille de la partie. Ah, j'ai envie de dire... Ah, je l'ai trouvé. Zombie à côté de toi. Bon, attendez, hein, je vous montre. Bon, on vous laisse savourer la musique et à tout de suite. Ah, je t'ai vu tout ce que j'ai. Personne qui vient m'aider dans ce jeu. Je suis tout seul ici. Bon, vous savez quoi, je ne parle plus. Voilà. Écoutez la musique. J'en ai marre.
la musique. Ouais. Bon alors, très belle musique, vous nous direz ce que vous en pensez. Bon bah, alors, donc, bah, comme vous nous venez de voir sur cette magnifique musique, on vient de voir sa magnifique performance d'ailleurs. Tu montres au monde entier comment tu joues au zombie. Tu as tout compris. Au pire, dis ton prénom, peut-être qu'on va te reconnaître. Abdelkader. Widja. Oui. Et moi, c'est Jonathan Kabili, comme dans la description. Quoi. Bon, la vidéo, là, je vous la mets, mais faut savoir que je pense qu'elle sera postée. Mes vidéos seront postées demain parce que tant que je les mette. Tant que je les mette, vous me faites chier. Voilà, je vais aller rechercher l'arme. Ok. Là j'ai vraiment. Je peux le dire ou pas? J'ai vraiment de la peine pour toi. Alors là les mecs, je crois qu'on a une The Fail de la partie. Je suis 100% d'accord avec toi. Alors là, je viens de mourir comme une merde en essayant juste d'aller chercher une arme. Ah mais laissez. Bon. C'est The Fail. Faut bien un fail dans une partie, parce qu'un fail sans. Une partie sans fail n'est pas une partie. Alors ça laisse du temps pour vos commentaires. Donc après on vous fera une vidéo infection ou découverte de la map multijoueur comme vous voulez. Je posterai ces vidéos demain. Donc voilà. J'aime pas commenter, c'est chiant. Je vous emmerde et j'aime pas commenter. Non, j'ai... Ah si vous pouvez aller voir aussi la chaîne de Shooter. Il n'a pas mis de vidéo depuis. Bon, c'est pas grave. Donc, mon endroit préféré pour faire tourner du zombie. The PGM en action, encore tout seul. Va-t-il nous sauver encore une fois? Oh! Ceci a failli être un fail, monsieur. Alors, il a dit pourquoi vous n'avez pas la voix. C'est quoi la voix exactement? Oh, mais c'est simple, c'est la voix qu'on entend qui arrête pas de dire des trucs du genre munition max, etc. Voilà. Je pose des questions. Est-ce que mon perso, c'est la plus grosse pute du jeu, quoi. Alors, monsieur, il va se faire des points, mais. Inimaginable. On devrait peut-être leur envoyer un message aux deux autres avec nous pour leur dire qu'ils vont passer sur YouTube, non? Ouais, je vais leur envoyer. Mais bon, si c'est des gens anglais ou autres... Eh ben, on mettra en anglais. You're passing on YouTube. Oui. C'était l'instant langue vivante de la vidéo. Ah ben, vous savez, dans toutes mes vidéos, je fais un instant langue vivante, un instant fail et... Un instant humour. Bon, là, on va dire qu'il y a 5 instants humour dans cette partie. Bon, comme vous le doutez, on a le gros fail de la partie. L'instant langue vivante. Et tu vas mourir. L'instant Chuck Norris, ouais. Et l'instant Chuck Norris, c'est nouveau. Bon, toujours commenter dans un gameplay, hein, bon. On fait exception à la règle, on n'a rien à dire. À moins que tu aies des choses à dire, quoi. Franchement, non. Je sais pas quoi vous dire, que dites-moi dans les vidéos. Voilà, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Vous me dites dans les commentaires. Dès que je récupère ma console, je vous ferai plein de vidéos Minecraft parce que... Bah parce que ça tue Minecraft. J'aime m'éclater avec des cubes toute la journée.
bref. Et la question du jour, où est-ce que vont les cubes de Minecraft qui sont détruits? Ah, ok. Alors vous avez entendu, allez. Allez. Alors, c'est la fin de partie. Alors, on a survécu 13 manches, mais il faut savoir que c'est notre première partie. Donc. Et juste avant que la vidéo se quitte, l'instant annonce le prochain qui s'abonne à ma chaîne. Le premier aura le droit de faire une vidéo avec moi. Ok, allez-y, likez la vidéo. A tout de suite pour une prochaine vidéo. Au revoir.